Dans une église d'un quartier huppé du Caire, la famille et les amis d'une hôtesse de l'air, Yara Ani Farak, étaient réunis ce samedi pour une cérémonie chargée d'émotions. La jeune femme était à bord du vol MS-804. Des fleurs blanches étaient disposées et à l'entrée, un imposant portrait de la jeune femme de 26 ans. Fiancée, elle devait se marier dans quelques mois. Je regarde les infos comme tout le monde. J'ai vu son visage à la télévision. Et j'ai cru qu'elle avait reçu une promotion, qu'elle avait fait quelque chose de vraiment bien. Et j'ai appris l'accident. Je ne peux pas y croire. C'est bien sûr tragique pour nous tous. C'est la nature de notre travail d'essayer de surmonter notre chagrin et notre tristesse pour continuer à travailler. Tout d'abord, c'est notre société et c'est notre pays. Il y avait 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français. Pour l'instant, seuls quelques corps ont été retrouvés. La zone de recherche se concentre à près de 300 km de la côte nord de l'Égypte.